Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah pour ma part ça va nickel, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec Call of Duty Black Ops Cold War. Et on va partir avec le mode multijoueur partie 1. Allez, c'est le début. Le mode zombie c'est terminé, pour ceux qui l'ont pas vu, qui n'ont pas vu la partie du mode zombie que j'avais fait sur 10 parties. Juste avant de commencer, ça ne coûte rien de mettre le pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir comme on dit, hein. Et ça me motive à faire de meilleures vidéos, de meilleure qualité. Et bah, on va en sortir plus quoi finalement. Hein. 0€, 0$, t'appuies sur 3 petits boutons et c'est terminé. Aussi, je voulais vous avertir que j'ai un petit problème de réseau, voilà. Mon réseau est vraiment pourrave. Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Il fait de la merde. C'est pas très rapide. Donc je risque d'avoir quelques problèmes de raison. Ça va pas mal laguer. Si je me fais shot à plusieurs reprises sans vraiment avoir de raison. Voilà. Et un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je vais avoir un Mac. Ah, c'était pourri, je sais. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que on va jouer que le Mac 10. Une mitraillette méga puissante en termes de cadence de tir. Je pense que j'ai pas trouvé mieux en termes de cadence de tir dans la mitraillette. C'est la meilleure mitraillette dans sa catégorie. Allez, on va y aller. Et ne vous inquiétez pas, je vais mettre la classe de cette magnifique mitraillette à la fin du game. Mais va falloir que vous regardiez le game d'abord. Allez, à tout à l'heure et c'est parti. J'aime pas trop ce mode là, mais bon, faut faire ce qu'il faut faire. Ils ont déjà pris le point B déjà. Oh, ça va vite hein. Oh là là. Quel con. Faut que je fasse un peu moins le campeur là, parce que sinon je vais me faire marave comme jamais. Oh là là. Ils ont avec les Milanios tout même. Putain, c'est pas possible quoi. Non. Faut que je lance. Attends, ah oui. Forcément. Ah, j'ai fait de la double. Ah, il était là, ce foiré, putain. Il était là. Il y en a qui sont bien cachés, écoute. Faut que j'apprenne la zone C parce que sinon je vais me mettre dans le gaz tout seul. Ouais. Qu'est-ce que je fous là, putain? Je l'ai normalement là, je l'avais. Je l'avais là. Faut de la merde. La misère qu'on se prend là. Oh la misère. Il est sérieux lui? Non, non. Je fais de la daube là. Je fais de la daube. Oh, je déteste ce mode. C'est le même. La Milano. La Milano. Ouais, c'est la Milano. Précise. Précise. Oh le con, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je l'avais en face et j'ai pas su prendre l'occasion. N'importe quoi. Te cache pas là, te cache pas là. Te cache pas. Oh, ouais, tu rentres dans le tas forcément, tu te fais... C'est normal. Allez, faut que je me reprenne.
me reprenne là. Un problème avec la Milan. Problème avec le Mac 10, faut que je rapproche quoi. C'est combat rapproché. C'est combat rapproché le Mac 10. Pff, oh, pop, 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 pop. Raclé. Raclé du siècle. Là. Ici là. J'ai jamais fait une game aussi pourrie de ma vie. Oh, 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 oh. C'est la première fois que je fais de la double comme ça. Okay. Voilà, c'est vraiment de la double là. Clairement. C'est pas du tout ma meilleure game. Pas du tout, du tout quoi. Faut prendre le B. Tombe recharge. Ah. Je suis baisé par le temps de recharge. Allez, faut y aller là. Faut arrêter de camper. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il m'a pris là? J'ai cru le voir en bleu lui. Pourquoi j'ai cru le voir en bleu? Pff, wow. Oh, c'était de la daube là. J'ai pas fait pire. Je peux pas faire pire. Je peux pas du tout faire pire. J'ai jamais fait pire. Pff, ma perf de merde quoi. Qu'est-ce que tu crois toi? Oh con. Oh le débile. Pourquoi il avait mon montre? Hélicoptère d'attaque ennemi dans les airs. Oh là là, mais non. Non. Ça bouge trop. Ça bouge trop. Voilà. La moitié du chemin. Pas plus. La moitié du chemin. Ouais, je comprends mieux pourquoi. Je sais bien qu'il m'avait tué un peu trop vite. Je t'attends, mon gars. Vas-y, viens. Vas-y, je t'attends, mon gars. C'est bon, c'est sécurisé là. Ah, c'est bon. Ouais, double,
Double. J'étais un double. Oh le con. Ah, du grand n'importe quoi là. Arrête de camper, arrête de camper. Non, excuse mon pote. J'espère qu'il est mort, bah oui, forcément. Avec ça. On perd Charlie. Ah bah ouais. Bah. Je l'ai eu, mais. Peut-être c'est comme série. Ouais. Wow, c'était quoi ça? Non, sérieux? Non! Oh, c'est pas vrai, quoi. Non. J'ai pas vu venir, c'est moi. C'est ça de rentrer dans le tas. Là, c'était vraiment... n'importe quoi, ça. Putain, mais pourquoi je l'ai pas posé? Pourquoi je l'ai pas posé? N'importe quoi. Pose-le, pose-le. Non, j'hallucine, j'ai même pas eu le temps de lancer mon syntax, quoi. J'ai même pas eu le temps de le lancer, quoi. Ouais, mais non, pour avoir mort. Cette fois-ci, je le pose parce que ça va le faire. Hop. Sécurisation du point A. Hey, je suis avec toi. Mis dans les airs. L'ennemi a détruit votre... Tu crois que je t'ai pas vu? Combattez jusqu'à votre dernier souffle et saisissez la victoire. C'est de la dope totale. Le frog. Ah, c'était de la dope. Arrête de rentrer en retard, mon gars. Oui. Ah, je crois que c'était un one shot. Non, c'était pas un one shot. Donc je baise lui. Ah. Sérieux, mon truc en attendant. Vas-y, balance-moi ça. Ciblage artillerique détecté. Artillerie ennemie en approche. Et voilà tout le monde, je vous l'ai dit, hein, cette arme est vraiment puissante. Vraiment, vraiment. Donc, franchement, je vous le conseille. Il faut vraiment que vous jouiez avec parce que vous avez vu la vitesse de cadence, quoi. Vous avez même pas, allez, on va dire, en temps réel, 10 mètres et vous l'éliminez. Allez, en 2 secondes. Vous avez vu la vitesse, quoi. C'est un truc de fou, moi. Cette arme-là, c'est mon arme. Ça y est, c'est fini. Tu peux que jouer avec une arme comme ça. Quand tu tues aussi rapidement, tu peux que jouer avec une arme pareille. On peut pas passer à côté. Alors malheureusement, elle n'est pas proposée en, comment dire, dans le mode league pour ceux qui font le mode league. Bon, du coup, je vais vous montrer du coup la classe. Ma classe, du coup, en lunettes. Je mets le fast point reflex. Je vous l'avais dit dans le mode zombie partie 10.
que les petits viseurs sont valent vraiment le coup. Surtout le fast point reflex, il est pas mal. S'il y a mieux dans les meilleurs petits viseurs, c'est celui-là. En bouche, on va mettre l'éliminateur SOCOM pour la dissimulation de flash, contrôle de recul vertical et horizontal. Enfin, surtout vertical. En canon, pour la portée de dégâts, on va mettre le lourd renforcé 6.1 pour la portée de dégâts et pour la vitesse de balle max. Et en plus, on perd pas beaucoup en sprintant et en tirant. Et en sprintant, ouais, et en visant, on perd pas beaucoup. Encore, on va mettre le viseur laser 5 MW SWAT pour la précision du tir jugé. On perd un petit peu en temps nécessaire pour regarder dans le viseur, mais bon, ça, on va le rattraper avec, voilà, c'est ça, avec la poignée. En poignée, du coup, on met le revêtement de serpent pour justement le temps nécessaire pour regarder dans le viseur. On perd un peu en temps de transition du sprint en tirant, mais bon, c'est ça, c'est pas trop grave, on perdait pas beaucoup. En chargeur, le chargeur rapide de 53 cartouches salves. Comme d'habitude, pour vraiment le maximum de munitions, vitesse de rechargement, munitions max et tout. En poignée, on met la poignée Bruiser. Et c'est pas fini. La poignée Bruiser pour forcément tout ce qui va être vitesse. Parce que on en a besoin. Comme on en perd pas mal sur les autres accessoires, on met celui-là. Et en cross, on met la crosse de combat de SAS. Voilà. Pour la vitesse de déplacement en tirant et pour la vitesse de marche en visant. Voilà, voilà pour la classe. Si vous voulez un conseil pour l'arme secondaire, je vous conseille le fusil à pompe. Je vous conseille la balayeuse parce que la balayeuse, elle a une bonne cadence de tir, elle a une bonne puissance. Je ferai une vidéo là-dessus justement. Parce que je la travaille en ce moment, comme je jouais pas assez souvent avant, donc je la travaille, donc j'en ferai une vidéo sur celle-ci. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ou si vous voulez plus de contenu, tapotez ou cliquez sur ma tête jusqu'en bas. Sur ce, c'était Mr. Mixvi. Big ciao.